Le projet est né en 2017 d'une volonté de membres de l'association Destination Patrimoine qui sont établis dans le quartier Saragosse depuis 2015. On avait envie de faire quelque chose, de proposer quelque chose de différent à Saragosse, de dynamiser le quartier. On est un peu le pilote du projet, donc on essaie de fédérer tous ces acteurs, tous ces partenaires, d'impulser la dynamique au projet, d'organiser toute cette collaboration. L'idée, c'est d'aménager le site pour que les gens puissent s'y rendre de manière autonome, en visite libre, utiliser les aménagements qui sont sur place et également bâtir une programmation sur un an. L'idée, c'est que pendant l'année, ce soit ponctué de moments d'animation en tout genre qui donc ponctuent un peu la durée du festival. On va avoir un poulailler, donc l'idée, c'est de se constituer un groupe de bénévoles qui va autogérer le poulailler, qui va s'occuper des œufs, des poules et tout ça. On va aussi avoir un potager collectif sur la friche, donc l'idée encore là, c'est que la population qui est intéressée à participer se prenne en main et constitue un groupe de bénévoles qui viennent s'occuper du potager. Oui, c'est possible de rejoindre l'aventure, c'est même très encouragé. Comme je vous dis, c'est un projet collaboratif, participatif, donc on a besoin de toutes les bonnes volontés pour plein de choses. Si vous avez envie de mener une action, de proposer un atelier, une animation, un spectacle sur la friche, c'est possible, il suffit de nous contacter. Donc, ça, c'est une première implication. Vous pouvez aussi, en tant qu'habitant qui souhaite participer au poulailler, au potager, faire n'importe quoi sur le site, vous pouvez encore une fois nous contacter et on prend toutes les bonnes volontés. Également, si vous souhaitez, on cherche des bénévoles pour assurer de l'accueil sur le site de la friche. Et on vous donne aussi rendez-vous tous les vendredis sur la friche, la RR, pour nous aider à participer à la construction du site, des aménagements. Donc tous les vendredis, dès 16h, on invite la population, tous ceux qui sont intéressés, à venir nous rejoindre.